pour les amis de santé et divertissement. Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Avantage du gros piment. Comment contribue-t-il à votre santé? Bien que ce légume soit largement utilisé dans la cuisine brésilienne et mondiale, peu de gens savent exactement quels sont les avantages du piment et pourquoi ils sont si importants pour la santé. Pour connaître les détails de ces avantages et savoir comment insérer ces aliments dans le menu quotidien, consultez notre article. Liste des 9 avantages du piment. 1. Combattre la dépression. Bien que ce facteur surprenne de nombreuses personnes, le paprika rouge est considéré comme un agent naturel important dans la lutte contre la dépression. Cela se produit grâce à la forte concentration de vitamine A et C présente dans ce légume, ces substances étant responsables de l'équilibre de l'humeur. 2. Améliore le fonctionnement du cerveau. Le paprika est présenté comme un puissant allié de la santé cérébrale, agissant dans la régénération des tissus endommagés dans cette région. Cela fait naturellement que le piment favorise le fonctionnement des neurones et la synthèse des hormones essentielles à l'équilibre organique. 3. Empêche le cancer. La consommation de piment aide à prévenir et à combattre l'une des maladies qui touchent le plus le monde, le cancer. Des études montrent que cette légumineuse, en plus de prévenir l'apparition de tumeurs, contribue également au traitement des tumeurs existantes, agissant dans la destruction des cellules malades. 4. Éviter les inflammations. Parmi les bienfaits du piment, il convient également de souligner l'effet qu'il exerce sur la prévention et le traitement des processus inflammatoires. Par conséquent, il est très efficace dans le traitement naturel de l'arthrite, les inflammations intestinales, les inflammations dans la peau et dans d'autres régions du corps. 5. Améliorer la santé du cœur. Un autre avantage du piment mérite d'être mentionné, l'effet vasodilatateur exercé sur les artères. Avec ceci, naturellement la pression artérielle est équilibrée, en prévenant et en combattant l'hypertension. Avantage du piment. 6. Il inhibe le vieillissement précoce. En raison de l'excellente quantité d'antioxydants présents dans cette légumineuse, elle inhibe les effets caractéristiques du processus de vieillissement. C'est-à-dire que la consommation modérée, et régulière, des poivrons de toutes les couleurs, vert, rouge et jaune, améliore l'aspect de la peau, des cheveux et des ongles. 7. Équilibrer les niveaux de glucose. En ce qui concerne les bienfaits du piment, un autre d'entre eux concerne l'équilibre des taux de glucose dans le corps. Cet effet est dû au fait que cette légumineuse stimule la production d'insuline, une substance fondamentale pour le contrôle du diabète. 8. Aide à perdre du poids. Une autre des propriétés du piment se rapporte à sa faible valeur calorique et à son excellent pouvoir thermogénique. Cela signifie que cette nourriture accélère le métabolisme et favorise la combustion des graisses de manière naturelle et saine. 9. Diminuer le taux de cholestérol. En ce qui concerne les effets positifs de cette légumineuse sur la santé, une autre est la diminution du taux de mauvais cholestérol, LDL. Cela rend la circulation sanguine très bénéfique, réduisant les risques d'accidents vasculaires cérébraux, de crise cardiaque et de thrombose. Comment insérer le paprika dans le menu du jour? Le piment peut être utilisé dans la préparation des plats les plus divers, donnant un arôme et une saveur très agréable aux aliments. En général, vous pouvez utiliser dans la préparation des viandes, du poisson et du poulet, cuit et rôti. Dans les salades avec des feuilles et des légumes. Dans la préparation du poisson. Dans la préparation des sauces et des gelées. Dans les soupes. Dans la préparation des accusés. Dans la préparation de plats typiques de la cuisine mexicaine, comme par exemple le guacamole. Recette mexicaine au guacamole. De toute évidence, il existe d'innombrables recettes avec le paprika. Cependant, les données d'aujourd'hui font référence à la préparation du guacamole, un ancêtre typique de la cuisine mexicaine, idéal pour ceux qui veulent perdre du poids. Ingrédients. Un piment rouge. Un piment vert. Un oignon. 3 tomates. 2 avocats mûrs. Jus de 1 ou 2 citrons. Sel au goût.
Façon de faire. Hachez le piment, l'oignon et les tomates en très petits cubes. Laissez-les réserver. Coupez l'avocat au milieu, retirez l'os et grattez l'intérieur. Enlevez tous les fruits et déposez-les dans un bol. Pétrir l'avocat avec le sel et le jus des citrons. Ajoutez l'oignon, les poivrons et les tomates déjà hachées. Mélangez bien tous les ingrédients et servez avec du pain grillé ou des nachos. Comme il est facile à percevoir, profitez des avantages du gros piment est beaucoup plus simple que ce que beaucoup imaginent. Si vous aimez le contenu et l'information de la perte de poids, des recettes, astuces pour la santé, rejoignez-nous dans le groupe Santé et Divertissement sur Facebook, vous pouvez le rechercher comme ça, et nous rejoindre pour plus de contenu et de dynamique. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, prendre du poids, tomber enceinte, infection vaginale, éliminer les kystes, comment traiter le diabète naturellement, des conseils de santé ou des recettes pour la santé et pour vous faire paraître beaucoup plus belle, conseils en amour, faites-nous savoir. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille sur Facebook. Merci, que le grand Dieu vous bénisse.